Bonjour à tous, bonjour à mes amis les lions, bienvenue pour votre tirage sentimental couple pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre ma petite fille ici. Donc, vous pouvez vous référer bien sûr au tirage sentimental du mois de février pour les lions. Vous pouvez regarder votre tirage célibataire pour les lions. Et là, c'est pour vous situer et voir un petit peu l'évolution de vos relations de couple pour le mois de février, vu qu'on est déjà en début de février. On va voir l'évolution. Et pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe, bien sûr, prenez ce qui résonne. Merci pour vos commentaires. J'apprécie qu'on me donne des retours. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche. Et si vous désirez une guidance personnelle pour votre situation sentimentale ou autre, vous pouvez m'écrire donc sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds rapidement. Alors, on va regarder pour les lions qui sont en couple pour le mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je vais prendre deux énergies ici d'abord, deux cartes d'énergie. Les lions en couple, février. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Équilibre, chance. Très bonne carte. Retour à l'équilibre. Alors, ça dépend comment c'était. Si c'est un petit peu comme les taureaux, il y a eu des problématiques précédentes. Je viens de faire les taureaux. Donc, des difficultés dans le couple. Et en ce mois de février, on retrouve un équilibre, un bien-être, une stabilité. Et on nous dit qu'il y a de la chance de votre côté, les lions. Donc, peut-être prenez les mesures, si ce n'est pas encore fait, pour améliorer votre situation de couple. La chance, elle est là, elle aide. D'accord? Il y a un retour à l'équilibre, ce qui est très bien. Votre relation devrait être équilibrée pour ce mois. Et je vais faire un tirage au tarot de Marseille que je vais recouvrir, donc un tirage en croix, pour voir comment va se passer ce mois. Alors, je vais demander pour les lions en couple. Pour le mois de février 2021. Alors, petit souci là qu'elle reste droite. Les lions. Alors, oh oui, ah ouais, ben, commence avec le soleil en plus. Waouh! Disons que c'est mieux que le tirage de tout à l'heure qui était un petit peu difficile pour les taureaux. Là, alors les lions, bien, on a le soleil. Donc, votre relation devrait bien se passer ce mois-ci. C'est votre carte qui est en pour, c'est votre carte en avantage. Ça nous donne l'énergie que ça devrait fonctionner, que c'est. Que vous êtes bien dans votre peau, qu'il y a un bonheur présent. Moi, vous êtes rayonnant, hein, le lion solaire. Bouge pas, toi. Le bonheur. Le bonheur, en tout cas, avec ces cartes-là, ça ne m'étonne pas. Pour le moment, ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'il y a en. Ouais, on va dire en contre. Donc, le soleil. Pour vous, normalement, le couple fonctionne bien pour ce mois de février. En contre, on a l'ermite. On nous dit éviter la solitude, éviter le manque de communication. Peut-être un des deux pourrait être dans une énergie où il se cherche un petit peu aussi. Qui, voilà, il y en a un des deux qui se pose des questions pour l'avenir du couple, pour sa vie personnelle. D'accord? Évitez la solitude, essayez de communiquer le maximum. C'est ce que je ressens pour vous. Alors, ce qui domine, oui, ben, vous avez la réussite, vous avez l'empereur, encore une fois, c'est très lion, c'est très guerrier, c'est je fais tout pour que ça fonctionne.
Hein, on met tout en place pour que la relation fonctionne ici, c'est très bien. L'empereur domine la relation du moi, il y a la réussite avec le soleil. Il n'y a pas de souci particulier pour moi ici, pour vous, pour moi, pour vous, pour votre vie de couple. Simplement un petit peu plus communiquer, essayer de dialoguer, essayer d'éviter de vous retrancher dans vos pensées peut-être. Mais bon, ce qui domine, de toute façon, réussite, envie que ça marche, pour moi, il n'y a aucun souci. La réponse, on a le diable, donc ok, diable, c'est pas négatif, pour moi ça va être passionnel, ça va être fou, ça va être chaud, ça va être... ça va pas être dans le côté négatif, non, ça va être quelque chose... Vous allez vivre un mois passionnel, les lions, chaud, amoureux, charnel. Waouh! Je vais calculer tout de suite la synthèse parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Je vais recouvrir avec une carte du petit Lenormand pour voir 19. 9. Alors, ça fait 9 aussi. 9, 18, 27. Et la justice en synthèse. Donc, justice, équilibre. Retrouver, elle est là, la carte de l'équilibre. Équilibre retrouvé peut-être après les problèmes. En ce mois, il y a un équilibre, parfait. Je dis après peut-être des déséquilibres, après des problématiques. Pas forcément. La justice, la 11, nous dit bien, oui, l'équilibre. Ça dépend où elle est placée. Mais là, c'est pour moi une très bonne carte. Pour votre moi, vous avez un très bon moi, les lions. Qui va être chaud, à mon avis. Chaud, chaud, chaud. Comme toi, tu restes là. Mais bon, une énergie de réussite. On va couvrir les cartes pour voir ce que ça nous donne. J'aimerais savoir sur le soleil. Quelle information pour les lions en couple? Le mois de février 2021. Information supplémentaire sur le soleil. Je sais pas si on en a besoin, mais soleil pour les lions en couple, pour le février 2021. Un contrat, une officialisation. D'accord. Bon, c'est super. C'est bien. Alors, je pense que certains lions vont vouloir officialiser la relation parce que ça va bien. Peut-être un achat, peut-être un contrat pour leur relation, c'est bien sûr tout ce qui est Pacs, papier, mariage, fiançailles, ou pour un achat, oui aussi, d'un appartement pour se mettre en couple. Alors, quelle information pour l'ermite? L'ermite pour les lions en couple. Lions en couple. Pour le mois de février 2021. Oh là là, pardonnez-moi. Quelle info sur l'ermite? Donc, union, c'est ce que je vous ai conseillé, évitez la solitude, évitez de vous mettre en retrait. Soyez vraiment unis. Partagez vos doutes, partagez vos soucis ou vos recherches personnelles. Ensuite, puis-je avoir une information supplémentaire pour l'empereur? L'empereur pour les lions en couple. Février 2021. Sur l'empereur, les lions. Alors, on nous dit peut-être qu'il va falloir chercher certaines informations qui ne sont pas claires. Ou il nous manque, comment dire, l'empereur, il fait tout pour que la relation marche. Donc, vous allez peut-être vous renseigner, lire, apprendre,
comment fonctionne une relation. C'est ce que je ressens. Qui vous manquait certaines choses peut-être précédemment au niveau de la connaissance du couple. Là, il y a une ouverture. Disons que le livre est fermé. Il va falloir, à mon avis, apprendre certaines choses sur votre, sur l'amour. Alors, quelle information supplémentaire sur le diable pour les lions en couple? Info supplémentaire pour le diable. Pour les lions en couple, pour le mois de février 2021. Ouais. Bon, moi je vous ai dit par, je vous ai dit patient, mais là on peut aussi voir que bon, il y a le masque, qu'il y en a un qui serait peut-être pas, alors que ça irait avec le livre. Vous voyez comme une situation peut changer avec un complément d'information. Le diable, c'est vrai, on peut parler de passion en étant positif, mais on peut parler aussi de mensonge, de tromperie, de trahison. Et la carte supplémentaire nous donne ce message, qu'il y a peut-être un des deux qui porte un masque, malgré que le couple fonctionne bien. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui trahirait, je vais cadrer un peu mieux, pardon, qui tromperait ou... C'est vrai que ça pourrait parler de ça. Dans votre relation de couple, un des deux, je ne sais pas qui, pourrait avoir une tierce personne. Ou pourrait être dans le mensonge. Pourrait mentir, pourrait cacher des choses. Donc faites quand même attention. Devant, il est bien, mais derrière, il tire la tête. Devant, on a le soleil, je vous l'ai dit, mais derrière, il y a la lune. Peut-être qu'il y a des choses qu'il fait de son côté que vous ne savez pas. Donc voilà, il y a quand même une importance à couvrir les cartes ici pour vous les lions. Malgré la chance et l'équilibre trouvé, on peut voir qu'il y a soit ce côté passionnel ou soit ça peut être effectivement, on joue un petit peu un jeu charnel, pas spécialement de ce qu'il y a de meilleur. Je dirais attention quand même. Vous verrez, le mois de février est long, ça peut être jusqu'au mois de mars. La synthèse, vous avez pris une décision, vous êtes en équilibre. Il y a la réussite quand même du couple. Moi, je vois beaucoup de passion et de charnel ici. Je vais voir les conseils. Conseil pour les lions en couple. Février 2021. Quel conseil? Les lions en couple en février. Oui, il y a le côté Aphrodite. Regardez. Charnel, chaud, votre moi. Chaud, chaud, chaud. Attention, ça peut être soit des jeux, on peut jouer, ou soit il y en a un qui faute, ou il y a une triangulaire, vous vous amusez à plusieurs, je ne sais pas. Les lions, il y a quelque chose d'assez chaud. On dit réveille la déesse qui est en toi à travers la danse, le soin. Et apprécie ta divinité. Aphrodite veut dire ce que ça veut dire, donc ça colle assez bien avec ça. Moi je sens un moi chaud, charnel, peut-être amusement aussi, attention hein. Voilà, amusement dans le couple. Vous me direz les lions en commentaire si vous pouvez, et merci pour vos petits mots, votre soutien, et je vous retrouve dans d'autres tirages. À tout bientôt chers amis lions. Au revoir.